Donc de retour avec notre petite basique, donc même programme que cette année. Avec cette fois-ci, donc on retrouve toujours le print du Yes. Et cette année, on aura une déclinaison de bois par transparence, du plus clair au plus foncé. Sinon, on retrouve donc le fameux Camrock avec le cambre positif au patin, plat sous le pied et le rocker qui commence au milieu des inserts. Et donc, le premier prix entre guillemets pour la marque à 3,79 qui est un gros succès parce qu'une planche de tous les jours qui passe partout avec un budget assez serré. Bonjour, Cyril pour la Freeride TV. Donc, ben, moi, je viens de tester la Yes Basic. L'entrée de gamme chez Yes, donc une board avec un niveau de prix intéressant. On s'attendrait à avoir une board plutôt souple, on va dire très tolérante. C'est quand même le cas, elle est relativement souple et tolérante, mais on sent qu'au centre il y a du nerf, de l'accroche. Et ben, j'étais relativement surpris. Là, on est un peu en fin de journée, ça s'est recouvert, pas mal d'ombre, des zones dures. Je pensais pas avoir autant d'accroche sur cette planche, et on s'aperçoit que même pour une entrée de gamme, on retrouve vraiment l'empreinte Yes avec le Camrock. Une planche qui a énormément de stabilité, même avec de la vitesse, une super accroche et un côté joué, une très bonne maniabilité, vraiment une super planche avec vraiment un super rapport qualité-prix.